Bonjour à tous. Pour les personnes vivant avec le VIH, il est important d'avoir une activité physique régulière. Déjà pour améliorer son état de santé, mais aussi pour prendre soin de son corps. L'objectif étant aussi de pallier à certaines pathologies cardiovasculaires trop souvent liées au VIH. Nous sommes heureux, la Maison de Vie et moi-même, de vous offrir ces quelques vidéos. Nous allons voir maintenant les consignes de sécurité. Il faut prendre en compte les trois blocs dans les séances: échauffement, corps de séance, étirement. Ces trois blocs devront être effectués à toutes les séances pour éviter les risques de blessures. Pour les personnes souffrant de fibromyalgie, neuropathie, problèmes cardiaques, diabète, hypertension, cholestérol, toutes les pathologies qui pourraient être un frein à l'activité physique, je vous conseille de vous orienter vers votre médecin. De ce fait, il pourra vous faire un bilan physique complet et vous donner l'autorisation de pratiquer quelques séances de sport. Nous allons voir maintenant les consignes qui vont composer votre séance. Premièrement, il y a les consignes de placement. Elles sont importantes pour que vous soyez placé en sécurité. Cela évite le risque de blessure. Deuxièmement, il y a les consignes de travail. Elles seront exprimées en temps pour les gainages, en nombre de répétitions pour les autres exercices et nombre de séries. Nous avons un dernier facteur à tenir en compte, c'est les temps de repos. Et oui, notre corps a besoin aussi de récupérer après avoir travaillé. Bienvenue dans votre deuxième séance. Nous commençons notre cours par un échauffement. L'échauffement sert à préparer les articulations, à échauffer le corps en douceur. Nous allons commencer par échauffer notre nuque. Vous allez effectuer un mouvement de tête de bas en haut en limitant l'amplitude sur les premières répétitions. Effectuez à peu près 10-15 répétitions de ce mouvement en allant chercher l'amplitude progressive du plus bas au plus haut. Ensuite, même chose sur les côtés. Vous voyez que progressivement, vous allez chercher le mouvement plus en amplitude et progressivement aller chercher l'étirement de chaque côté. Une fois une quinzaine de répétitions effectuées, nous pouvons passer à nos épaules. Donc effectuez des cercles vers l'arrière pour commencer. Ressentez le mouvement épaules montantes, omoplates resserrées et épaules relâchées. Sur votre posture, serrez vos abdominaux. Vos genoux sont légèrement fléchis. Très bien. Mouvement suivant, vers l'avant. Effectuez le même mouvement. Très bien. Venez placer vos bras ici sur l'avant de la poitrine. Donnez-moi main croisée sur l'avant. Vos coudes sont légèrement fléchis. Effectuez une dizaine de répétitions. Puis venez chercher, ouvrez, croisez. Venez serrer vos omoplates derrière. Contrôlez votre mouvement. N'oubliez pas, l'objectif, c'est d'échauffer, mobiliser vos articulations en douceur. Ce sont des mouvements contrôlés. Très bien. Venez juste serrer vos omoplates. Vous me donnez une dizaine de mouvements. Venez travailler sur le ressenti, les deux omoplates qui viennent se serrer. Vous devriez déjà sentir de la chaleur dans vos épaules, dans votre cou. À partir de ce moment, le regard reste bien fixé sur l'avant. Donnez-moi une dizaine de cercles vers l'arrière, puis vers l'avant. Une fois les 10 cercles effectués, vous devriez sentir le travail sur le haut du corps. Déroulez les épaules en douceur, relâchez le cou. Nous passons aux hanches. Donc, écartez un petit peu plus vos pieds, que vous soyez stable sur la position. Fléchissez un petit peu plus vos genoux et vous allez pousser dans un premier temps le bassin sur votre gauche, vers l'avant, sur votre droite et vers l'arrière. Mouvement circulaire.
Fléchissez vos genoux sur ce mouvement suffisamment pour protéger votre dos. Très bien. Vous pouvez accélérer légèrement le mouvement tout en contrôlant. Effectuez une dizaine de répétitions, puis passez dans l'autre sens. Gardez le même rythme d'exécution et le même placement. Nous échauffons ici les muscles des hanches, des lombaires. Très bien. Replacez-vous au milieu. Nous allons effectuer le même type de mouvement, mais pour le haut du corps. Venez incliner sur le côté, vers l'avant, de l'autre côté, puis vers l'arrière. Effectuez le mouvement avec un temps de travail relativement lent au départ. Fléchissez suffisamment vos genoux. Vous sentez le travail passer sur le côté, sur votre dos, puis de l'autre côté. Vous pouvez accélérer légèrement maintenant le mouvement. Très bien, changez de sens. Effectuez une dizaine de répétitions d'un côté, puis de l'autre. Très bien. Relâchez. Venez vous placer pied écartement bassin. Réfléchissez vos genoux. Vous pouvez ressentir la posture ici. Enroulez vos épaules. Resserrez vos omoplates. Vous devez avoir une stature qui est solide dans le sol. Décalez votre poids de corps. Et ici, nous allons commencer sur des rotations de hanches. Donc, vous pouvez poser le pied à chaque passage. Vous pouvez reposer votre pied au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rester en équilibre sur votre jambe d'appui en fléchissant légèrement votre genou. Gardez les mains sur les hanches pour stabiliser ou placez-les sur l'avant. Effectuez une dizaine de répétitions dans un sens, puis changez de sens. Ressentez l'échauffement ici au niveau de votre hanche, sur le haut de votre cuisse. La jambe d'appui travaille aussi, c'est normal. Vous pouvez ressentir un léger tremblement au niveau de la cheville et du genou. Une dizaine de répétitions effectuées. Nous changeons de côté. Poids de corps sur l'autre jambe. On fléchit légèrement le genou. Et venez ouvrir et refermer. Une dizaine de répétitions effectuées. On change de sens. On ouvre, on monte, on referme. Une fois les 10 répétitions effectuées, venez resserrer vos pieds. Nous passons aux genoux. Donc, placez vos mains sur le haut de vos cuisses ici. Redressez le haut du dos. Relâchez vos épaules. Et nous allons effectuer des petits cercles. Commencez sur des petites amplitudes. C'est un conseil. Ici, le regard est placé au sol. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, vous allez chercher un petit peu plus grand. Chaque passage, chaque mouvement. Effectuez une dizaine de répétitions d'un côté. Et on reprend petit mouvement de l'autre. Redressez-vous, écartez vos pieds, placez vos pieds sous votre bassin et nous passons à la dernière articulation, les chevilles. Donc vous allez faire un mouvement juste comme si vous étiez sur un stepper, comme un mouvement de marche. On va échauffer les chevilles, les mollets. Voilà. Ici, accélérez légèrement. Alors on va partir sur un mouvement déjà un petit peu plus dynamique. Travaillez nos chevilles. Passez bien sur la pointe de pied, décollez bien le talon. Vous ressentez la contraction sur le mollet à chaque mouvement. Très bien. On va passer sur les deux en même temps. Vous montez et vous relâchez. Montez, relâchez. Montez, relâchez. Alors vous pouvez effectuer ce mouvement jusqu'à ressentir une sensation de chaleur dans vos mollets, une sensation diffuse. Sur tous les exercices que nous allons effectuer, les sensations de chaleur sont diffuses dans le muscle. Quand vous travaillez un groupe musculaire, vous allez avoir des sensations, par exemple, sur le pec, les épaules, vos triceps. Jamais une douleur à un point précis. Si c'est le cas pendant les exercices, arrêtez l'exercice. Très bien, vous allez rester sur le haut jusqu'à ressentir une légère brûlure dans vos mollets. À petite précision au niveau de la sécurité, pour toutes les personnes qui ont des fibromyalgies, je conseille de ne pas aller
au-delà de la brûlure. C'est-à-dire que dès que vous sentez les premiers échauffements musculaires, vous arrêtez votre exercice. Très bien. Comme vous l'avez remarqué, on a travaillé toutes nos articulations une à une. Important avant de rentrer dans le corps de séance. Nous avons fait nos cervicales, nos épaules, le haut du dos, la taille, les hanches, les genoux et les chevilles. La phase échauffement, comme celle des étirements, doit être effectuée avant chaque séance. C'est incontournable. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure pour votre séance. Dans cette séance, nous allons travailler nos cuisses, nos lombaires et nos fessiers. Si vous n'avez pas effectué la vidéo numéro 1, je vous encourage à commencer dès le début. Il y a une progression sur les entraînements et chaque séance est calculée en fonction de la précédente. Je vous souhaite un bon entraînement. Dans cet exercice, nous allons travailler nos fessiers. Je vais vous donner deux options de travail. Une option facile et une option intermédiaire. Allongez-vous au sol, placez vos talons dans l'alignement des genoux, relevez votre bassin en contractant vos fessiers. C'est la contraction des fessiers qui fait la poussée du bassin vers le haut. Une fois que vous avez la position, maintenez-la. Option intermédiaire, vous allez décoller un point d'appui, contractez votre jambe tendue, poussez dans le talon et ramenez la pointe de pied. Restez toujours sur la jambe d'appui, le bassin aligné avec votre buste. Maintenant que nous avons vu les consignes de placement, nous allons voir les consignes de travail. Sur la première option, vous pouvez rester jusqu'à 1 minute sur votre gainage et effectuer 3 à 5 séries. Sur l'option plus dure, vous pouvez rester 30 secondes à 1 minute. Effectuez aussi 3 à 5 séries de chaque côté. Les temps de repos sont de 1 à 2 minutes. Bon exercice. Il est impératif que vous fassiez ces étirements après chaque séance sportive, après chaque séance de marche, de piscine, de vélo que vous pourrez faire, même en dehors de nos entraînements. Rentrez ça dans votre emploi du temps de façon à garder une bonne élasticité musculaire, éviter les risques de blessures. Vous verrez que vous aurez aussi moins mal à votre dos. Très bien, premier étirement, vous allez vous placer sur vos genoux, ici. Vous allez descendre progressivement, doucement. Poussez vos fessiers dans vos talons et étirez-vous là jusqu'au bout des doigts. Sur tous les étirements, vous adaptez votre respiration, vous inspirez profondément et vous expirez à fond. Pour remonter, déroulez le bas, le milieu, le haut du dos. Très bien. Restez une minute sur cet étirement. Tous les étirements durent une minute minimum. Donc je vous laisse gérer votre temps. Passez sur le côté, allongez votre buste, soutenez votre tête et ici, attrapez le devant du pied. Si vous pouvez, si je n'arrive pas ici à attraper le devant du pied, qu'est-ce que je fais? Je place mes doigts sur l'arrière de la chaussure. Si jamais je manque encore de souplesse, je passe une serviette ici tout autour de ma cheville et j'attrape le bout de la serviette pour amener le talon sur la fesse. Quand vous êtes en position ici, vous devez ressentir l'étirement sur l'avant de votre cuisse. Relâchez bien la jambe, le genou, respirez à fond. Alors souvent, on a des crampes, des impatiences musculaires avant de s'endormir le soir. C'est un étirement que vous pouvez facilement effectuer dans votre lit. Restez une minute de ce côté, puis relâchez, redressez-vous, passez de l'autre côté et procédez au même exercice pendant une minute. Une fois que vous avez effectué l'autre côté, venez vous placer en position assise, votre jambe tendue. Et vous pouvez vous aider avec vos mains ici, attraper votre chaussure et votre cheville et redresser votre buste. Une fois dans cette position, ramenez ici la pointe de pied en direction du genou et venez incliner le buste sur le côté. Vous allez sentir un étirement dans l'arrière de cuisse de votre jambe tendue. Restez une minute pour cet étirement.
Vous allez sentir progressivement que l'étirement est de moins en moins actif. Si c'est le cas, venez chercher votre buste en avant de quelques millimètres. Très bien, pensez à respirer. Vous restez une minute et vous relâchez. Vous pouvez procéder de l'autre côté sur le même étirement. Restez une minute. Venez vous redresser. Posez les deux genoux au sol. Passons à l'étirement suivant. Positionnez votre pied loin en avant de votre genou. Votre genou est dans l'alignement de votre hanche. Et venez pousser le bassin vers l'avant. Ici, vous étirez votre psoas, muscle qui est inséré dans le bassin, puis dans les lombaires. Cet étirement va éviter tous les traumatismes au niveau des lombaires, les tensions, les sciatalgies. Redressez-vous. Vous restez une minute sur cet étirement. Contrôlez qu'il y ait toujours la tension dans votre hanche en étirant progressivement, en poussant le bassin vers l'avant. Quand vous avez effectué un côté, vous effectuez l'autre côté. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons étirer le haut du dos maintenant. Joignez vos deux mains sur l'avant. Fléchissez vos deux genoux. Vos pieds sont placés sous vos hanches. Inspirez profondément et ici vous allez pousser vos mains vers l'avant, très très loin devant, en creusant votre ventre. Une fois fini de souffler, vous inspirez, vous redressez. Expirez, creusez votre ventre, vous formez un C avec le haut du corps. Le regard est placé au sol. Une fois fini d'expirer, vous redressez, vous inspirez. Je vous montre le même mouvement de profil. Fléchissez vos genoux, poussez le bassin en avant. Vous creusez votre ventre, vous arrondissez le haut du dos. Placez votre tête entre vos bras. Une fois fini d'expirer, vous vous redressez. Vous relâchez vos épaules. Vous attrapez vos deux mains sur l'arrière. Vous resserrez vos omoplates, vous poussez la poitrine en avant, fléchissez vos genoux et repoussez vos mains loin vers le sol. Vous ressentez l'étirement au niveau de vos épaules, de votre poitrine. Inspirez profondément, gonflez la cage thoracique et à l'expiration, je pousse les mains vers le bas. Nous allons passer maintenant à notre dernier étirement. Joignez vos mains vers le haut. Repoussez vos mains en direction du plafond, remontez vos épaules, aspirez votre ventre, respirez en amplitude. Restez quelques secondes dans cette position, puis venez incliner d'un côté. Vous allez sentir l'étirement ici, du bras jusque sur le côté du dos. Restez une quinzaine de secondes, puis attrapez l'autre main ici et venez incliner de l'autre côté. Repoussez jusqu'au bout des doigts. Restez 15 secondes. Replacez-vous au milieu. Relâchez vos bras. Enroulez vos épaules. Voilà, la séance est terminée. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas qu'en complément de ces vidéos, vous pouvez faire des activités piscine, vélo, marche. Je vous encourage à varier vos activités, sortir un maximum. Et surtout, continuez le sport, ne lâchez rien, vous êtes capables de tout. Ciao !